Le Bénin devient partenaire avec Baltimore aux États-Unis dans l'organisation de la Coupe du Monde 2026. La signature d'accord s'est déroulée ce mardi 26 janvier 2021 au ministère des Sports à Cotonou. Précision, Karina Denis, Prudence Koussouron. Le Bénin, potentiel partenaire dans l'organisation de la Coupe du Monde de 2026. Voici l'acte qui vient de le mettre dans cette posture. Signature du partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Un partenariat qui va permettre encore une fois au Bénin de se révéler au monde entier. La Coupe du Monde 2026 qui va jouer en partie aux États-Unis, au Pakistan, mais aussi au Canada et au Mexique. La ville de Baltimore, la candidature a été sollicitée pour un partenariat qui permettrait une visibilité au Bénin pendant la compétition de cette Coupe du Monde 2026. Au-delà des avantages sportifs liés à ce partenariat, il convient de préciser que cet accord impactera positivement d'autres secteurs, notamment l'économie et la culture. Ces échanges entre les États-Unis et l'Afrique, avec énormément d'Afro-Américains, d'Afro-descendants, qui veulent retrouver leurs racines sur le continent africain. Pour nous, pour le Bénin, la volonté de développer le tourisme, un tourisme important qui est le tourisme mémoriel, permettra d'accueillir encore une fois des afro-descendants, que ce soit sur Ouida, que ce soit sur pour la route des esclaves, tout ce qu'on appelle ce tourisme mémoriel. Le troisième, je dirais que d'un point de vue économique, il y a à Baltimore tout un tas de sièges de grandes sociétés qui sont associés à cette Coupe du Monde. Et on va associer le développement du sport qu'on a ici. Le ministre Oswald Omeki accueille avec enthousiasme ce projet qui, selon lui, vient rehausser le sport béninois. Il rassure. L'assurance que la volonté du Bénin de répondre favorablement à cette demande de partenariat obéit à notre logique de nous associer à tous ceux qui peuvent entreprendre une action dans l'intérêt de notre pays. À vous confirmer que ce soutien à la candidature de cette ville américaine, qui a beaucoup de similitudes identitaires avec notre pays, est un soutien qui pour nous est tout naturel. Et à confirmer qu'enfin nous allons, au-delà de ce soutien, nous organiser nous-mêmes pour que le Bénin soit présent à cette Coupe du Monde 2026. Nous avons bien l'ambition de faire en sorte que, avec une bonne organisation et avec, comme vous le savez, le soutien de chacun de vous, notre pays puisse, en tout cas, participer à cette Coupe du Monde. Il faut noter que le Bénin est le premier pays à signer un tel partenariat avec l'Amérique.